Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, le dernier épisode du mois de juillet. Nous sommes déjà fin juillet, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que cette année, elle est passée très vite et en même temps qu'elle a commencé il y a genre 2 ans. Ça me fait de plus en plus cette sensation, je sais pas si c'est votre cas, où j'ai l'impression en même temps de me dire que le temps file et en même temps je fais tellement de choses. Je suis nourrie par tellement de choses, j'expérimente, je découvre et je pense que je suis aussi bien dans ma vie, même s'il y a des phases de moins, mais en tout cas je suis bien dans ma vie. Et du coup j'ai l'impression que le temps dure très longtemps et que le début de l'année c'était il y a déjà 2 ans, tellement il s'est passé de choses depuis ce début d'année, tellement j'ai l'impression d'avoir avancé, d'avoir découvert des choses, d'avoir compris des choses, d'avoir mis des choses en place, rencontré des personnes, enfin voilà. C'est incroyable, je trouve, tout ce qui peut se passer finalement en si peu de temps. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler encore de positionnement. Je sais pas si au bout d'un moment vous allez pas vous dire « bon, c'est bon, on a compris ». Et en même temps, le positionnement, comme je vous l'avais déjà dit dans un de mes épisodes, c'est un truc qui est tellement, tellement profond. Toute notre vie, on va apprendre à se positionner, selon moi, de différentes manières. Il y aura différentes étapes de positionnement et du coup différents niveaux aussi, comme si c'était un jeu, comme je l'avais déjà dit, il me semble aussi, dans un podcast. Et moi, c'est un peu mon upgrade de cette année. Vraiment, j'ai absolument compris et développer plein de choses par rapport au positionnement cette année. C'est incroyable. Et du coup, forcément, vu que à ce micro-là, je viens vous raconter ce qui m'arrive, les déclics que j'ai eus, les questionnements que je me suis posés pour vous les livrer, pour que ça crée les liaisons que ça a créées avec vous. Et forcément, je vous parle beaucoup de positionnement. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du coup de positionnement par le vêtement. Ça va être beaucoup de storytelling aujourd'hui. Mais je pense que ça va vous permettre de pouvoir vous demander, vous aussi en fait, quelle est votre chose source. Voilà, je vous en dis pas plus, on se retrouve tout de suite après l'intro. Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place ? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons orange et violet. Je vois aussi des brouillons. Des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'au mot, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Je sais pas si vous avez déjà écouté mes épisodes de podcast sur la mode. L'année dernière, dans mon magazine, le thème était sur l'astrologie. Chaque mois, en fait, traitait d'astrologie. Et donc, du coup, j'ai exploré la mode différemment dans cette année-là où j'imaginais, en fait, comment le signe astrologique allait s'habiller selon son caractère et selon ses caractéristiques. Cette année, du coup, j'ai développé un nouveau format d'épisode autour de la mode, mode on et mode off. Dans le mode on, on active le bouton vraiment à préjugés de la mode, toutes les idées préconçues qu'on se fait par rapport à la mode. Et dans le mode off, paf, on renverse la balance, on éteint le bouton. Et justement, je viens vous expliquer en fait la profondeur des choses dans la mode pour tenter de vous donner une autre vision, une autre approche du vêtement et de cette industrie de la mode. Dans mon magazine, du coup, J'imagine, sur Instagram, mon magazine digital, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire ces pages digitales, il y a beaucoup de rubriques mode, notamment J'imagine en fait, parce que cette année, mon magazine est sur les différentes années, j'ai commencé avec les années 20, et là le mois de juillet, du coup, qui vient de se terminer, était sur les années 40, donc le mois d'août, à partir de demain, ce sera sur les années 50.
Du coup, en fait, je m'amuse à imaginer que je suis en relation, en lien avec une femme de ces années-là et que je discute avec elle pour qu'elle m'apprenne des choses de son époque et que moi, je lui apprenne des choses de notre époque à nous. Et du coup, j'imagine comment elle s'habillerait si elle débarquait ici en 2023. Je vous parle aussi et à chaque fois, je vous fais deviner les quatre pièces iconiques des années en question. Et je revisite du coup ces quatre pièces en question vu que j'aime beaucoup dessiner. Je vous invite à le faire aussi si vous avez envie de le faire. Donc voilà, dans mon magazine digital, je parle beaucoup de mode et de vêtements aussi. Et sur mon Instagram personnel, je poste tous les matins mon look. Quand je vais au travail, bien entendu, quand je suis en télétravail, ça ne sert à rien que je vous le poste. Le week-end, ça dépend des fois, parce que il y a des week-ends où je pense pas à partager, il y a des week-ends où je pense à le faire. Mais en tout cas, je partage hyper souvent mes looks. Je partage aussi souvent des croches mode. Quand je lis mes livres, quand je regarde mes magazines de mode, il y a des tenues qui me percutent, donc je les partage en story. Et là, le nouveau truc que j'ai développé et qui me fait beaucoup rire, je prends beaucoup de... Enfin, ça me fait pas rire d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est selon ce crush mode, de trouver des pièces en fait de nos dressings à nous de tous les jours pour recréer ces looks que je vois dans Vogue ou dans les différentes fashion week. Tous les dimanches soirs aussi, je propose un batch dressing, donc avec 5-6 pièces, comment s'habiller toute la semaine en mixant ces pièces ensemble. Voilà. L'idée ici, c'était pas du tout que je vous fasse une promotion de tout ce que je fais, mais si ça vous donne envie de découvrir tous mes contenus, c'est avec grand plaisir que je vous accueille visuellement et pas seulement dans vos oreilles. Avec grand plaisir qu'on échange aussi sur Instagram et aussi par rapport à d'autres types de contenus. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que pour moi, le vêtement a vraiment une importance dans ma vie, très très forte. La mode a vraiment une importance dans ma vie. Très très forte aussi. J'ai écrit un livre en fait sur comment je percevais la mode que j'ai envoyé à des maisons d'édition avant de venir sur Paris. C'était sûrement pas le moment parce que toutes les maisons d'édition m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés par mon livre pour le moment. Je pense que j'étais aussi un peu jeune entre guillemets et pas forcément encore mature. J'avais pas pris assez de recul sur cette vision que j'avais du vêtement pour en écrire un livre, mais ce livre je sais qu'en fait je le réécrirai et le modifierai en fait avec la prise de recul et avec la maturité que j'ai maintenant aussi par rapport à ça, la compréhension aussi finalement que je pose sur l'importance des vêtements pour moi et donc du coup sur l'importance que les vêtements peuvent avoir en fait dans la vie de tout le monde selon moi. C'est un peu comme une thérapie pour moi le vêtement. Je vous partagerai ça, je vous en parlerai souvent, c'est sûr. Et du coup, j'ai vraiment un amour très 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 profond pour la mode qui a commencé avec mes Barbie, qui a continué avec des magazines que je lisais quand j'étais petite et je découpais, c'était beaucoup de robes de mariée pour faire des books. Ensuite, ça a été avec moi. Et c'est la dernière fois, en fait, en parlant avec la spécialiste que j'ai vue. Si vous avez écouté l'épisode d'il y a 2 semaines, du coup, où je vous parle de pacte, je vous explique dans cet épisode que j'ai vu quelqu'un, en fait, qui m'a fait conscientiser certaines choses et qui m'a fait comprendre, en fait, des blocages et des freins que j'avais, et surtout, quelles étaient la source, en fait, de ces blocages et de ces freins. Et en fait, c'est en discutant avec cette personne que je me suis rendu compte que les vêtements ont toujours été pour moi ma source et en fait mon moyen de me positionner dans le monde et de m'exprimer. Je sais pas si vous avez écouté tous les derniers épisodes que j'ai fait, je sais pas à quel point du coup vous connaissez mon histoire, mais pour vous le resituer du coup en quelques mots, j'ai toujours été quelqu'un très affirmé, qui a toujours su en fait ce qu'elle voulait faire, qui a toujours eu des rêves, qui s'est toujours donné les moyens de les atteindre. Et en même temps, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu du mal aussi à se positionner face à moi, face au monde, face à mon entourage, et à me positionner aussi finalement dans mes choix de vie et dans mes rêves, dans les choses que je voulais vraiment. Donc j'ai toujours été un peu dans cette ambivalence. J'ai compris le pourquoi, du comment et la source de ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, grâce à cette personne, j'aimerais sûrement vous donner plein, enfin vous partager et vous transmettre plein de choses par rapport à ce que j'ai compris et qui vous aidera sûrement dans vos histoires à vous. Et du coup, en discutant avec elle, en fait, je me suis rendu compte que le vêtement avait une importance pour moi. Je l'ai toujours su. Enfin, ça fait vraiment
quelques années, là, 3-4 ans, que je le conscientise vraiment ben, comme un moyen d'expression, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai écrit dans mon livre, où vraiment pour moi c'est une manière de me positionner face au monde, c'est une manière de raconter au monde qui je suis, c'est une manière d'exprimer au monde ma personnalité, c'est une manière d'exprimer au monde toutes nos personnalités, et que du coup le vêtement et la mode peuvent être une thérapie. Dans le même sens que, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Amy Cuddy, mais qui nous conseille, c'est ça le mot que je cherchais, de faire la position de Superman, qui en fait a une position de confiance, qui va inspirer à notre corps de la confiance, et du coup si vous faites cette position avant un entretien, ou avant en tout cas quelque chose que vous allez vivre, dans laquelle vous avez besoin de confiance en vous, qui va vous aider à avoir confiance. Et donc du coup de paraître pour être finalement. Et le vêtement, c'est aussi une manière très souvent que moi j'emprunte en fait pour paraître quelque chose et pour l'être. Pour quand j'étais plus jeune, paraître femme et du coup ben, me sentir femme et sortir ma féminité. Quand je vais à un entretien d'embauche pour paraître confiante, pour paraître sûre de moi, pour paraître être quelqu'un qui a le lead, qui a confiance en elle et qui sait ce qu'elle veut. Et du coup, j'ai l'impression d'être ça. Comme si le vêtement, en fait, avait une influence sur ce que je pense de moi, sur ce que je ressens de moi et donc, du coup, sur ce que je dégage. Et vraiment, les vêtements, ils ont cette profondeur-là. Ce moyen de pouvoir exprimer qui on est profondément, notre être véritable, entre guillemets, qui on est par rapport au rôle et au message qu'on a envie de faire passer, et qui on est par rapport à ce que nous, on voudrait être, et par rapport à l'image qu'on voudrait avoir de nous. Et j'ai compris, en fait, pourquoi les vêtements ont toujours eu autant d'importance pour moi, parce que ça a été un de mes lieux sources, si on peut appeler le vêtement et la mode un lieu. Ça n'a pas été le seul, il y en a eu d'autres. Et j'ai conscientisé ça en fait récemment. Il y a eu aussi la danse, le fait d'être sur scène. Je ne sais pas si je vous en parlerai dans cet épisode-là, je pense que ça va faire trop d'infos, je vous en parlerai sûrement dans un autre. Et du coup, le vêtement, voilà pourquoi il a toujours été autant important pour moi, pourquoi il a été mon lieu source. C'est parce que finalement, c'est le seul dans lequel je me suis toujours positionnée, le seul dans lequel je me suis toujours affirmée sans retenue. J'ai toujours eu des looks très travaillés, des looks un peu extravagants parfois. On m'a souvent dit dans mes amis, ah mais moi ça je pourrais vraiment pas l'acheter, mais toi ça te va hyper bien, c'est totalement ton style. J'ai pas forcément toujours suivi les tendances. J'avais un peu ce côté-là aussi de me dire que ça et ça je trouvais que ça matchait bien ensemble et sans vraiment me demander si je trouvais que c'était à la mode ou pas. Bien entendu que j'ai été aussi influencée par les tendances et qu'elles m'ont permis ben, de m'exprimer aussi. Mais je me rends compte vraiment que j'ai cette facilité et je saurais en fait même pas vous exprimer vraiment exactement parce que c'est... Il y a certaines pièces en fait, je sais ce qu'elles représentent exactement pourquoi pour moi et pourquoi elles sont autant importantes, quel message elles portent en fait quand je les mets. Il y a des pièces, je sais pas. C'est un peu quelque chose de flou et en même temps quelque chose d'inné, comme quand le fait de savoir marcher, on réfléchit plus à mettre un pied droit, le droit, puis le gauche. Avec les vêtements, finalement, c'est pareil. J'écris une certaine histoire, j'exprime qui je suis, comme si chaque vêtement était une couleur sur une palette d'artiste et que ben je crée l'œuvre d'art que je vais être aujourd'hui. Ou si ça vous parle mieux, comme si chaque vêtement était un mot. Et donc du coup, en les assemblant, eh ben, je crée une phrase et donc j'exprime quelque chose de moi aujourd'hui. Et je le fais voilà, de manière comme ça. Les tendances, j'arrive à me les approprier, j'arrive à les incarner et à les rendre moi. Et du coup, j'ai conscientisé ça vraiment de cette manière-là il n'y a vraiment pas longtemps. Même si j'avais compris, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 ans maintenant, à quel point les vêtements étaient une manière d'expression pour moi. Mais en tout cas, ce que j'ai compris voilà, ces derniers temps, c'est qu'au-delà d'être une manière d'expression pour moi, c'était surtout en fait une manière de me positionner et de m'affirmer, d'affirmer qui je suis et d'exprimer qui je suis, une manière d'exister. Parce que moi, la grosse blessure et le gros blocage
que j'ai eu et que j'ai encore un peu et sur lequel je suis en train de travailler, c'est en fait d'être toujours un peu dans la retenue, d'exister sans vraiment exister. Et donc le vêtement, c'est une des choses par laquelle j'ai toujours existé. Et on est toujours souvent et toujours venu me parler de mes vêtements, de mon style vestimentaire, tout le temps. Alors que c'était pas la seule chose par laquelle moi j'avais envie d'exister, parce que j'ai envie d'exister par cette chose-là, mais c'est pas la seule chose par laquelle j'ai envie d'exister. C'est pas la seule chose qui existe en moi non plus. Au-delà du fait que j'ai pas envie d'exister juste par ça, c'est pas juste ça qui me définit non plus, parce que je suis tout un tas d'autres qualités que le vêtement et que le fait d'aimer assembler et d'aimer créer des matchs de vêtements. Mais en tout cas, c'est la chose pratiquement sur laquelle on m'a toujours fait des compliments et sur laquelle on m'a toujours reconnue. Parce que c'est une des seules choses dans laquelle j'arrivais à me positionner, à m'imposer, à m'affirmer pour exister pour moi et face au monde. C'était très important pour moi aujourd'hui de venir vous exprimer ça. Parce que déjà, c'était très important pour moi de venir en fait vous exprimer pourquoi la mode est autant importante pour moi, pourquoi le vêtement est autant important pour moi, et du coup, pourquoi en fait je le décline dans plusieurs types de contenus, comme je vous l'ai expliqué du coup au tout début du podcast. Ce podcast me sert aussi à vous transmettre en fait, vraiment parfois il y a des épisodes qui sont juste du storytelling. Et en même temps, juste du storytelling peut créer tellement de liens avec les personnes qui savent écouter et qui écoutent juste en laissant résonner ce qui va venir résonner. Et c'est vraiment l'idée de mes épisodes de podcast en règle générale, de venir vous transmettre des parts de moi pour que vous receviez celles qui vous parlent et que vous laissiez résonner en fait ce qui résonne avec vous dans ce que je vous dis, pour laisser se créer les liaisons. Et du coup, au-delà de prendre ce qui résonne avec vous, j'avais envie de venir vous proposer de faire un exercice de conscientisation, je sais pas si ce mot existe, avec vous, pour venir justement conscientiser ce qui vous a toujours défini et un peu ce qui est votre source véritable. Pourquoi ça va être important ? Parce que les personnes comme moi qui ont peut-être cette blessure de pas exister, de pas réussir à prendre sa place, ça va vous permettre en fait de vous rendre compte que finalement sur plein de choses, sur 2, 3, 4 choses, je sais pas, moi du coup, comme je vous disais, au-delà de la mode, il y a aussi la danse. La danse m'a permis d'exister. Quand j'étais sur scène, je ressentais des émotions de dingue, je sentais que je transmettais quelque chose au public et en retour le public me transmettait quelque chose aussi. La danse, ça a été un moyen d'expression pareil pour moi qui a été comme les vêtements. Un peu quelque chose d'intangible, un peu comme un coup de foudre. Ou sans comprendre pourquoi, je sentais que sur scène j'étais à ma place et que je transmettais quelque chose de fort et de puissant et qu'on me le rendait aussi. Et du coup, ces deux choses-là sont des choses sources en moi qui veulent dire beaucoup de choses de moi. Au-delà du fait que j'aime m'habiller et que j'aime danser, ça veut dire beaucoup de choses de moi. Ça veut dire que j'aime m'exprimer. Ça veut dire que quand même j'aime être reconnue, que j'aime être vue, que j'aime être admirée parce que quand j'étais sur scène, j'aimais qu'on vienne me faire des compliments sur la prestation que j'avais faite. Et j'étais très heureuse aussi quand on venait me faire des compliments par rapport à mes tenues et par rapport à mes vêtements. Ce que ça me fait comprendre de moi aussi, c'est que j'aime créer. Que j'aime par la danse et par le vêtement, qui sont tous deux pour moi des choses artistiques. J'aime créer des pas de danse ou différentes tenues de vêtements. J'aime m'exprimer. Parce que la danse est un moyen d'expression et que les vêtements sont aussi un moyen d'expression. Et j'aime transmettre. Par mes vêtements, par du coup mes tenues, par des conseils que je peux donner à des amis quand elles me disent « Oh là là, j'ai une soirée, il faut que tu me conseilles comment je pourrais m'habiller. » J'aime en fait les conseiller sur ça. Mes tenues parfois aussi elles les inspirent. Et j'aime aussi parler de mode en règle générale, au-delà de juste le vêtement, l'histoire de la mode, les tissus, les créateurs, parce que j'ai lu beaucoup de livres par rapport à ça. Et la danse, et en fait j'aime transmettre cette émotion qui est totalement intangible, mais le même genre d'émotion qu'on ressent quand un film nous fait pleurer. Finalement, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il nous fait pleurer. Et j'aime transmettre ce genre d'émotion. Et dans tout ça, moi j'aime transmettre et j'aime recevoir après aussi quelque chose. Parce que quand je sens que j'ai transmis, on me transmet aussi quelque chose à son tour. Quand j'étais sur scène, je ressentais en fait
ce que j'avais apporté au public et moi, il m'apportait une joie intense. Je pense que j'ai jamais ressenti d'autres émotions semblables au fait d'être sur scène, de transmettre et de recevoir quelque chose du public. Et donc, vous voyez, ces lieux sources, en fait, ils sont pas juste j'aime être sur scène et j'aime m'habiller. Ils sont beaucoup plus profonds que ça et ils me permettent en fait d'apprendre à connaître la moi véritable. Parce que si je me souviens bien, depuis que je suis toute petite, du coup, j'ai toujours aimé les vêtements et comme je vous le disais, je me suis toujours affirmée et positionnée par rapport à ça. Et la danse, c'est venu un peu plus tard, mais c'est venu quand j'avais 7 ans. Donc c'est pareil, très tôt, la danse a été un de mes moteurs et une de mes sources. Et donc en fait, se conscientiser, au-delà de se rappeler, de pourquoi c'est autant important pour nous et de ce que ça veut dire de nous. Parce qu'en fait, c'est totalement lié pour moi à notre être véritable. Parce que quand on était enfant, si c'était autant important pour nous, on ne réfléchissait pas à paraître. C'est qu'en fait, c'est intrinsèque et que c'est lié à nous. Donc moi, en fait, le fait de créer, de transmettre, de m'exprimer, de créer des liaisons avec les gens, c'est intrinsèque à moi. Quand j'étais petite, je le faisais avec mes Barbies, je le faisais quand je montais sur scène, quand je faisais un spectacle à mes parents. Maintenant, je le fais autrement. Et du coup, ces lieux sources, au-delà de vous permettre de vous rendre compte de qui vous êtes profondément, ils vont vous permettre surtout d'être là comme des ancres quand vous êtes dans des phases de down, dans des phases de tempête, dans des phases de crise, de vous rapprocher de ces éléments sources. Moi, j'en ai 2 gros. Vous, peut-être que vous en aurez qu'un. Peut-être que vous en aurez 3, 4. De se rapprocher de ces sources pour vous rappeler qui vous êtes. Et du coup, rester stable et ancré, en fait, à l'intérieur de vous. Du coup, ça vous développe une certaine sérénité, une certaine confiance et estime de vous. Et du coup, confiance en la vie. Ok, je me rappelle qui je suis. Je me rappelle que ces éléments sont importants pour moi. Je vais les prendre avec moi. Je vais m'ancrer. Ça va permettre de me stabiliser et d'avoir confiance en ce qui va se passer, en l'issue, et d'avoir confiance en moi. Vraiment, c'est tout un système d'énergie et de vibration, mais moi, j'y crois très fort, vraiment. Et au-delà de ça, du coup, il va vous permettre aussi de vous rapprocher, vraiment, pas juste en vous disant « Ok, je me rappelle qui je suis », mais de vous servir de ces éléments-là quand vous n'allez pas bien. Moi, je sais que quand je ne vais pas bien, je vais avoir envie de m'acheter de nouveaux vêtements parce que je vais avoir envie de pouvoir créer des nouveaux looks. Je vais avoir envie d'ouvrir mes placards et de faire un peu un bilan de ce que j'ai dans mes placards. Où je vais avoir besoin de danser. Mon corps va avoir besoin de danser. Et du coup, de me rappeler ces éléments sources et de m'en rapprocher, mais vraiment physiquement, en les expérimentant, en me mettant à danser, en sortant mes vêtements du placard et en créant plein de looks. Ça va me permettre de me rapprocher de moi aussi et de laisser un peu couler là la tempête, ce qui va pas, de m'être créé un moment hors du temps où je me suis exprimée, où ça m'a permis aussi de sortir des choses de moi. Et du coup, ça fait du bien et ça nous permet de pouvoir être plus stable, plus ancré et plus en capacité de gérer ce qui est en train de nous arriver. Et donc, ces lieux sources pour moi, voilà, ils sont hyper importants dans votre vie de tous les jours, parce qu'en fait, ils sont importants pour vous, donc de les entretenir, de les nourrir, et de vous rappeler pourquoi ils sont autant importants pour vous. Ce sont des non négociables. Ils font partie de votre vie, et ils doivent faire partie de votre vie, n'importe quel choix que vous fassiez. Et quand vous n'allez pas bien, ils peuvent être vos lieux sources, comme l'épaule de votre meilleur ami, si vous n'allez pas bien, et que vous avez besoin de lui raconter quelque chose. Ces lieux sources-là peuvent être l'épaule de votre meilleur ami, le câlin de votre maman, le câlin de votre chérie. De juste vous à vous, du coup, vous pouvez vous réconforter, vous aider, vous stabiliser, vous ancrer et faire en sorte d'aller mieux et d'avoir plus confiance dans ce qui est en train de vous arriver. Voilà, c'est tout ça que j'avais envie de vous livrer dans cet épisode de podcast. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. J'ai conscience que parfois c'est un peu parti dans tous les sens, mais voilà, le vif, l'essentiel de la chose est là, l'essentiel de ce que je vous ai livré. Je me sens vraiment toute bizarre, comme si ça m'avait permis moi aussi en fait de conscientiser encore autrement ces choses-là en vous les livrant, parce que ça prend toute une autre importance aussi quand on livre quelque chose à quelqu'un et qu'on n'est pas seulement en train de se le livrer à soi.
Donc je me sens très très bien, je me sens libérée et je me sens, voilà, je sais pas, j'arrive même pas exactement à décrire ce qui se passe, mais je me sens vraiment très heureuse de vous avoir livré ça. Et du coup, j'espère que ça vous apportera beaucoup et que vous pourrez créer beaucoup de résonance et beaucoup de liaison avec ça. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de trouver vos lieux sources et de les garder vraiment auprès de vous, tout le temps. Vous savez qu'ils sont tout le temps là. Et qu'en fait, finalement, le message là derrière, c'est que vous êtes tout le temps là pour vous. Voilà, je vous fais plein de bisous et du coup, on se retrouve au mois d'août. Ciao!